Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle. Mes chers amis, aujourd'hui lundi 22 juillet 2024, la première bonne nouvelle aujourd'hui, c'est la libération de notre camarade d'élite, Abdelkader Maïga. Il vient d'être libéré aujourd'hui, le voilà ici, Abdelkader Maïga. Voilà, un vrai panafricain, un vrai nationaliste, il vient d'être. Il a été injustement arrêté, aujourd'hui il est libre. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, ça c'est depuis Kidal, la frontière entre le Mali et l'Algérie. Voilà. Kidal, il y a une localité, le dernier village qui s'appelle Inafaka. Le dernier village entre le Mali et l'Algérie, aujourd'hui, est sous le contrôle de l'armée malienne. Mes chers amis, applaudissez nos autorités, applaudissez le ministre de la Défense, colonel Sadio Camara. Voilà le village Inafaka. Il y a eu des combats. Après, on va faire des commentaires. Là. Au moment où je vous parle, l'armée malienne est en train de faire des mouvements à la frontière entre le Mali et l'Algérie, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Vraiment, nous sommes fiers de cette armée. Maintenant, allons-y avec la première bonne nouvelle d'abord. Aujourd'hui, notre camarade de lutte, Abdelkader Maïga, il est libre. Voilà. Abdelkader Maïga, il est libre de ses fonctions. Voilà. Il a été libéré aujourd'hui. Ça, c'est notre camarade, Abdelkader Maïga. Il était emprisonné depuis le mois de mars. Voilà. Aujourd'hui, il est rentré chez lui. On lui souhaite bonne chance pour le reste. Voilà. Un vrai panafricain. Voilà ce qui est écrit ici. Je vais dire ça tout de suite. Voilà. La cour d'appel de Bamako vient de confirmer la condamnation de 12 mois de prison ferme et de 12 mois avec sursis prononcé contre Abdelkader Maïga en première instance. Par contre, la cour le condamne à 4 mois de prison ferme. Il avait été placé sous mandat de dépôt depuis le 8 mars 2024. Donc, aujourd'hui, il est un homme libre. Il est rentré chez lui. Bonne chance. Le voilà ici. Il est en train de rentrer à la maison. Pourquoi je dis que je suis content de sa libération? Il a été injustement arrêté. Parce qu'on a voulu créer la division au sein du M5-RFP. Il a juste dit à un imam, un faux imam, Imam Diarra. Le faux imam qui a comploté avec certains militaires pour diviser le M5 et qui a échoué. Qui voulait trahir Choguel Kokala Maïga. Ce monsieur qui vient d'être libéré aujourd'hui est un proche du premier Choguel Kokala Maïga. Il y avait une chasse aux sorcières contre toutes les proches du premier Choguel Kokala Maïga. Il n'est pas le seul. Il y a même le vieux de 82 ans. Un vieux de 82 ans, Aboubakar Katraoré. Un conseil de Choguel, Assimi Goïta, a forcé le premier ministre de le chasser, d'abroger sa nomination. Il est en prison et très malade. Et très malade en prison. Les jours que j'ai entendu ça, il est même difficile pour lui de marcher parfois. Un vieux de 82 ans, il n'est pas terroriste. Il n'est pas contre la transition. Nous avons fait le combat contre la France ensemble, lui. Nous avons fait le combat du M5-RFP. Il est l'adjoint du docteur Choguel Kokala Maïga, premier ministre du Mali. Ça, c'est son homme de confiance. Assimi Goïta a forcé Choguel de l'abroger pendant qu'il est en prison. Deux jours après, l'oncle de Assimi Goïta, Nango Damblé, PDG de la CMDT, compagnie malienne et pour le développement des taxis. Donc, CMDT là, le PDG de la CMDT là, Nango Damblé, l'oncle de Assimi Goïta, a été pris la main dans le sac. Il a été limousé. Le cousin de Assimi Goïta, ministre de l'Agriculture, aussi a été chassé. Ce vieux-là, depuis que ce vieux-là a commencé à pleurer, ça ne va pas dans le cercle de Assimi Goïta. Dans notre culture en Afrique, il faut respecter les vieilles personnes. Surtout un vieux qui t'a aimé. Si ce vieux était un pro-français, je n'allais jamais le défendre. Nous avons fait le combat ensemble. Dans la vie, il faut être juste. Quand tu parles de ça, il y a des farfelus qui vont dire « Ah non, vive Assimi, vive Assimi !» Ils ne comprennent rien. Il y en a qui sont devenus panafricains parce qu'il y a eu coup d'État dans ces pays-là. Nous, on était déjà dans ces combats il y a plus de 30 ans, depuis que certains ne sont pas nés. Et je ne trahirai jamais ce combat. Et je conseille Assimi Goïta. On est content. Lui, il n'a pas été libéré parce que Assimi Goïta est gentil ou la justice est gentille. Il a épuisé sa peine de prison. Les voilà ici. Un vrai panafricain. Les conseils maintenant que je donne au président Assimi Goïta, tous les prisonniers politiques, il faut les libérer. Les gens qui ont volé l'argent de l'État, il faut qu'ils restent en prison. Les gens qui ont été pris la fusil dans la mer, là,
Je ne parle pas de ça. Mais les gens que vous avez menti contre pour les mettre en prison injustement, il faut les libérer. C'est mon conseil. Si vous ne faites pas ça, Karma là est en train de suivre Assimi Goïta. Parce que les détournements de fonds là, comment vous pouvez comprendre? Pourquoi je dis ça aujourd'hui? Parce que je veux le bien de mon président. Je ne suis pas contre lui, je le dis haut et fort. Dans notre culture, le mot karma, ça existe. Il ne faut jamais mentir contre les gens. Il faut toujours dire la vérité. Il faut toujours dire la vérité. J'ai dit ça. Quand il dit qu'il y a les farfelus qui ne vont pas comprendre, c'est les gens qui ont les têtes qui comprennent. Pourquoi je dis cela aujourd'hui? Depuis qu'Assimi Goïta a commencé la chasse aux sorcières des proches de Shogun, voilà aujourd'hui son cousin qui est ministre de l'Agriculture, son oncle qui est le PDG de la CNDT, ont tous été chassés. Ils n'avaient plus le choix que de les chasser parce que leur vocal a fuité, confirmant que les produits toxiques qu'ils ont achetés ont tué beaucoup de cultivateurs au Mali. Les cotonculteurs, ils ont acheté des mauvaises qualités de produits. Et qui a reçu le marché? C'est la dame Claire. Là. Dans la vie, il faut être juste. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Il y a beaucoup qui me détestent parce que je dis même ça. Parce que pour eux, Assimi est Dieu. Pour certains là, Assimi est Dieu. Il ne faut pas parler de Assimi Goïta. Hein. Leur Mali, leur patrie, c'est Assimi. Leur Dieu, c'est Assimi. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Quand ils t'aiment, tu n'as pas de défaut. Pour eux, c'est une question de football. Soit tu es dans ce camp, soit tu es dans l'autre camp. Tu ne dois pas critiquer, tu dois juste applaudir. Voilà, il faut applaudir. Ça, c'est la mentalité des moutons. Je ne suis pas un mouton. Même mon père, souvent, il amène des idées. Si je ne suis pas d'accord, je le dis. Et il me comprend. Je le dis. Il y a des gens, tout ce que le président dit est bien. Le Mali n'est pas une personne. La patrie n'est pas une personne. Voilà, aujourd'hui, ce monsieur a été injustement. Tous les gens qui sont proches du premier Shogun Kokala Maïga ont été emprisonnés injustement. Maintenant, c'est le tour des proches de Assimi Goïta parce qu'il n'a plus le choix. Ils ne sont pas arrêtés. Ils ont tué des cultivateurs avec des produits toxiques. Jusqu'à présent, ils sont libres. J'aurais même appris qu'ils veulent chercher quelqu'un pour l'envoyer en prison pour que les gens se taisent. Peut-être son oncle, mais sa copine là, c'est elle qui a la base. Tant que Assimi ne revient pas sur la bonne raison, la seule chose qui peut sauver le président Assimi Goïta, c'est de dire la vérité aux Maliens, d'être honnête. Le populisme, ça ne marche pas. Tu peux mentir au peuple, il y a des gens qui vont te croire, mais à la longueur, ça va te rattraper. Assimi Goïta, il a nommé son oncle PDG de la CMDT, sachant qu'il était ministre de Ibeka. Il a volé l'argent dans les passés. Il a été chassé comme ministre de l'Agriculture. Et toi, tu viens en tant que militaire sauveur. Oh, Assimi Goïta, le sauveur. Il amène son oncle voleur. Moi, j'ai dit ça depuis le début. Il y a des gens qui disent, non, qui est contre. Parce qu'il y a des gens qui sont aveugles. Voilà les problèmes. Je critique et je donne la solution. La solution que je donne à mon président aujourd'hui. Le monsieur là, il est libre aujourd'hui. Il faut libérer tous les prisonniers politiques. Les bains, les cerveaux, les autres qui sont en prison là. Pardon, il faut les libérer. Même les politiciens qui ont été arrêtés là. J'aime pas les politiciens. Tout le monde sait. Je prie Dieu que les politiciens n'arrivent pas au pouvoir. Mais ces gens qui sont arrêtés là, vous avez pris une loi interdisant tout mouvement des partis politiques. Mais les gens qui sont... Il y a un mouvement qui s'appelle CRM. Ils ont fait des sorties ensemble. Il y a des gens qui ont fait des manifestations à Ségou pour insulter le Premier ministre. Mais les politiciens se sont rassemblés seulement, vous les avez arrêtés. Nous sommes tous des Maliens. Si tu prends une loi, tout le monde doit... Personne ne doit être au-dessus de la loi. Ceux qui vous soutiennent sont au-dessus de la loi. Ceux qui ne vous soutiennent pas, qui ne sont pas d'accord avec vous, ce sont eux que la loi frappe. Celui que toi tu aimes est bon. Celui que toi tu n'aimes pas, s'il fait quelque chose, c'est là-bas où toi tu tapes. Ça, c'est pas bon. J'aime pas les politiciens, mais ceux qui ont été arrêtés là, ils n'ont pas été arrêtés de façon correcte. Ça, il faut le dire. Les vieux, ils ont des copains. Ils disent ça contre tout le monde. Je vous dis, quand ils t'arrêtent là, si moi j'étais au Mali, ils allaient dire à tout le monde, à tous les parafricains, oh, c'est un envoyé des États-Unis. Et puis les gens, il y a les farafélis qui vont croire. Quand ils ont arrêté Ben Le Cerveau, ils ont dit que Ben Le Cerveau est en contact avec, Jean-Yves Le Drian. Il y a des gens qui ont cru, il y a des gens qui m'ont appelé, qui ont dit, Ben nous a décidé. Pardon mon cher président, il faut être honnête dans la vie. Libérer les gens qui ont été injustement arrêtés. Et emprisonner les quatre personnes qu'on demande.
le ministre de l'Agriculture, le PDG de la CMDT, ton ministre des Finances et ta copine qui distribue des billets d'argent, d'acheter des voitures aux artistes. C'est elle qui a reçu le marché de 80 milliards d'engrais. Ça, c'est différent des 6 milliards qu'ils ont détournés. Il y a eu détournement de plus de 100 milliards. C'est là où il y a l'argent. Quand Hachim est devenu président, là où il y a l'argent, là, il a mis ses amis et ses parents là-bas pour voler et virer les caisses de l'État. Ça c'est pas honnête. Ça, c'est pas correct. Quand ils disent, il y a des gens qui ne vont pas te courir parce qu'ils aiment Hachim. Ah, non, moi, j'aime Hachim. Celui qui n'aime pas Hachim, je ne l'aime pas. Quand j'entends quelqu'un dire ça, je cherche ton contact et puis je te bloque. Je ne vais pas composer avec des moutons. C'est tout. Voilà. Donc, le conseil qu'on donne au président Hachim Goïta, la vie est une leçon. Voilà. Donc, ce monsieur-là que je parle, je vais vous montrer ce qu'il a dit dans le passé. Écoute-toi très bien, Abdelkader Maïga. Qui est Abdelkader Maïga qui vient d'être libre aujourd'hui? Écoutons-le. Voilà. Il parle de l'accord de défense entre le Mali et la France. Écoutons très bien. L'armée malienne n'est pas libre de ce mouvement. Voilà. Un protocole signé, accord de défense militaire avec la France. Il dit qu'aujourd'hui, l'armée malienne n'est pas libre de ses mouvements. Il y a une trahison. C'est qu'il va parler de la milice. Écoutons ça. L'armée n'est pas libre de ses mouvements. Avions bien, il y a des avions basés à Sévaré. Mais Mali armé, tu sais qu'avions la militante que l'autorisation m'a dit. Voilà. L'armée malienne a des avions, avait des avions garés à Sévaré. On ne pouvait pas bouger les avions sans pourtant demander l'autorisation de la France. C'est à travers lui que moi j'ai même appris beaucoup de choses. Je vais être honnête avec vous. Quand je regarde ses émissions, j'apprends des choses. Écoutons la révélation qu'il va faire ici. Il dit que l'administration, la force onusienne, là, c'est le sous-département de la France. Il a dit ça en 2018. Ça fait combien d'années? 6 ans, 2010 ou 2017. C'est entre les deux là. À peu près 6 ans, 7 ans, cette émission. Lui et moi, nous avons fait ce combat ensemble. Il a toujours aimé le Mali. Il n'a pas été arrêté parce qu'il voulait faire coup d'état contre Hachimi. Il a été arrêté parce qu'il est proche de Dr. Choguel Kokala Maïga, qui est l'actuel Premier ministre. Hachimi n'a fait qu'emprisonner les patriotes. Aujourd'hui, ses parents ont été pris la main dans les sacs. Le monsieur là, il a dit. Et il parle de l'aménagement de la force onusienne. Il dit que tous les chefs départements de l'aménagement, que c'est les Français. C'est à travers cette émission de Abdelkader Maïga que moi j'ai appris ça. J'ai tellement appris des choses avec ce monsieur. Le jour que j'ai appris qu'il a été arrêté, je vous jure que j'ai pleuré dans ma maison. J'ai pleuré, j'ai dit mais pourquoi? Il a détruit notre révolution. Je vous jure, ce monsieur n'est pas un révolutionnaire. Le président Hachim Goïta n'est pas un révolutionnaire. C'est un populiste, je vous dis. Un populiste. Il est allé mentir qu'il y a eu faux billets. J'ai posé la question, quel avion a amené les faux billets? On n'a pas montré. Il a aussi dit qu'il y a eu des faux billets qui sont... Mais montrez-nous les faux billets. Qui a amené? Qui a été arrêté? Il n'y en a pas. Il est en train de tromper le peuple. Il faut dire la vérité. Tu sais, en Afrique, beaucoup de gens sont aveugles. Quand tu dis que tu n'es pas d'accord avec le président, ils vont dire que tu n'es même Dieu là. Toi, tu n'aimes pas Dieu parce que tu es contre l'idée du président. Même ton propre père prend certaines des gens. Tu dis non, papa, je ne suis pas d'accord avec ça. Et ça veut dire que tu n'aimes pas ton père. Des voyous qui sont devenus
je ne sais pas, révolutionnaires à travers les coups d'État chez les mages sont dans les réseaux sociaux. Ah, lui là, je ne crois pas, hein. Lui là, ah, façon dont il parle là, il est, on dirait, c'est des voyous, des vauriens. Ils sont partout. Pas seulement au Mali, ils sont partout. On les a connus il n'y a même pas un an, deux ans. Nous sommes dans cette révolution depuis que certains d'entre eux ne sont pas nés. Je suis dans cette révolution il y a plus de 30 ans. En 1987, ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait 37 ans. Moi, j'ai failli gifler un blanc là. Je n'ai pas rentré dedans. J'étais un vrai radical. J'étais très un radical né. Ça s'est fait à Kita. En 1987, quand je voyais blanc là, j'étais énervé. J'étais un vrai radical panafricain. Je détestais, je les détestais même. Mais quand j'ai commencé à étudier, je suis allé dans les universités, puis j'ai étudié, je me suis calmé un peu. Moi, pour moi, là, au début là, je les détestais même. Donc, cette idée est dans ma tête. Mais quand je vois des vauriens qui sortent dire que moi, j'ai pris 80 millions avec la France parce que je critique Assimi. En 1987, Assimi avait quel âge? Il avait quel âge? Il n'avait que 4 ans. Soyons dignes dans la vie. Quand vous ne connaissez pas les gens, arrêtez de mentir contre eux. Ah non, moi, toi, je ne te crois pas. Je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Ce que je dis là, j'étais le premier de dire que la France est contre nous. Et l'État m'a donné raison. À New York, on m'a chassé même dans les mosquées parce que j'ai dit que la France est contre nous. Aujourd'hui, c'est le tour d'Assimi. Assimi est un populiste, c'est la vérité. Et l'État me donnera raison. Je m'arrête là. Et on va partir avec la deuxième phase. L'armée malienne vient de faire l'une des plus grandes victoires. Voilà. Écoutons le président. Si je jeune, au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Vous avez échoué il y a longtemps, mon cher président. Oh, oh, vous avez échoué. Si je suis à ta place, je vais demander au militaire de choisir un autre militaire pour être candidat. Lui, il ne peut pas. Il ne peut plus. Il n'est plus crédible. Ses parents ont tué les cultivateurs. Il a le sang malien dans sa main. Il savait que ses parents-là étaient des voleurs. Il les savait. Il les a mis là-bas parce qu'il pense que le Mali, c'est sa propriété privée. Il pense que le Mali, c'est son entreprise familiale. Ça ne passe pas. Dieu ne dort pas. Le mot karma, là, existe. Voilà aujourd'hui. Allons-y avec les choses sérieuses, là. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre que l'armée malienne, voilà. L'armée malienne vient, voilà. Inafarak est sous contrôle des forces armées maliennes. Une localité située à 30 km de Bourch, entre le Mali et l'Algérie. L'armée malienne vient de faire des frappes contre les voyous, les terroristes. Oh mon Dieu, il fallait voir ça là. Voilà la localité même en question que je vais vous montrer. Voilà, la localité de Inafarak. Voilà ça ici. L'armée malienne vient de faire une très bonne victoire là-bas. Donc, nous leur disons bonne chance. Au même moment où je vous parle, l'armée malienne est en train de faire des opérations aéroterrestres. Cette localité-là, c'est là-bas où les terroristes cachaient leurs armes. C'est ici, cette localité de Inafarak, entre le Mali et l'Algérie, que ces gens-là faisaient leur opération. Voilà. Donc, mes chers amis, c'était ça pour les nouvelles d'aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao. Et au moment où je vous parle, l'armée malienne est en train de faire des opérations aéroterrestres à la frontière entre le Mali et l'Algérie, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Nous souhaitons bonne chance à toutes les armées de l'AIS. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.